Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le groupe du nom. Donc, pour plusieurs de mes élèves, par exemple, je sais que plusieurs connaissent déjà le groupe du nom, mais ce n'est pas une mauvaise chose de se rappeler. Donc, d'écouter encore la vidéo pour se rappeler c'est quoi. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le groupe du nom, ben, avec cette vidéo, vous devriez apprendre ce que c'est. Alors, le groupe du nom, c'est un groupe, donc plusieurs mots, dans lequel le mot le plus important, c'est le nom. Alors, quand on parle d'un mot important dans le groupe, on appelle ça un noyau. Donc, dans le groupe du nom, le noyau, c'est le nom. Ici, on te dit le nom, seul ou avec d'autres mots, forme un groupe du nom. Le nom est le noyau du groupe du nom, comme je viens de dire. Si on efface le noyau, donc, si on efface le nom, on enlève le nom, le groupe du nom n'a plus de sens. Par exemple, ici, on te dit la station spatiale. Donc, dans l'exemple, station spatiale, le nom, c'est station. Donc, si j'enlève, si j'efface le nom, le mot le plus important du groupe, alors ça donne la spatiale. On ne peut pas dire la spatiale parce que c'est un déterminant et un adjectif, donc ça n'a pas de sens. Pour qu'un déterminant, il faut toujours que ça vienne avec un nom et un adjectif, il faut toujours que ça vienne avec un nom aussi. Donc, ici, ça, pour savoir c'est quoi le mot le plus important de la phrase, du groupe du nom, on efface le nom et on peut voir que c'est lui le mot le plus important. Donc, il y a plusieurs manières de construire un groupe du nom. Pour savoir, par exemple, dans la phrase, c'est quoi le groupe, trouver les groupes du nom dans une phrase, il faut d'abord que tu trouves le nom. Une fois que tu as trouvé le nom, dans le groupe du nom, il va y avoir tous les mots qui ont un rapport avec le nom. Donc, tous les mots qui sont en lien avec le nom que tu as identifié. Alors, ça fait qu'il existe plusieurs constructions. Par exemple, tu peux avoir un groupe du nom qui est construit seulement avec un nom. Souvent, les groupes du nom où il y a seulement un mot qui est un nom, ça va être un nom propre. Par exemple, Romane est étonnante. Donc, Romane, c'est un nom propre, c'est le nom d'une fille. Et si je veux trouver le groupe du nom dans cette phrase-là, ça va être Romane. Il n'y a pas d'autres mots qui vont y aller avec lui parce qu'il n'y a pas de déterminant, il n'y a pas d'adjectif tout de suite avec le mot. Il y a un verbe entre les deux, donc le groupe du nom, c'est seulement Romane. Ensuite, on peut former un groupe du nom avec un déterminant et un nom. Donc, on se rappelle encore une fois que le déterminant vient toujours avant le nom. Donc, on ne peut jamais mettre un déterminant après le nom, c'est toujours avant. Alors, ici, dans la phrase, on te donne un exemple. Elle habite dans une fusée. Donc, le nom de la phrase, c'est fusée. Le nom, c'est fusée. Et le déterminant qui va avec, c'est une. Ici, il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas d'autres mots qui viennent compléter fusée. Donc, ton groupe du nom, c'est seulement une fusée. Ensuite, tu peux aussi faire un groupe du nom avec un déterminant, un nom et un adjectif. Donc, ici, on te donne un exemple où l'adjectif est placé après le nom. Elle découvre des planètes inconnues. Donc, planète, c'est le nom, c'est le noyau de ton groupe. Des, c'est son déterminant, donc il entre dans le groupe. Et inconnu, c'est l'adjectif. Donc, ici, mon groupe du nom, ça va être des planètes inconnues. Je ne peux pas enlever le mot planète, sinon ça devient des inconnus. Et inconnu, ici, c'est un adjectif, ce n'est pas le nom inconnu. Donc, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas dire des inconnus. J'ai besoin d'avoir le mot planète pour expliquer des quoi, planète, et qu'est-ce qui est inconnu, les planètes. Ensuite, encore avec l'adjectif, mais cette fois-ci, on fait un déterminant, un adjectif et un nom. Donc, quand l'adjectif est placé entre le déterminant et le nom, il fait aussi partie du groupe du nom. Exemple ici, elle aime les nouvelles aventures. Donc, on a le nom qui est aventure avec son déterminant, les, et les aventures, elles sont comment? Elles sont nouvelles. Donc, nouvelle est important parce qu'il vient compléter, il vient expliquer comment sont les aventures. Donc, on va le mettre dans le groupe du nom. Donc, ton groupe du nom ici, c'est les nouvelles aventures. Ensuite, on te dit que dans le groupe du nom, l'adjectif complète le nom. Donc, on va dire que c'est un complément du nom. Alors, ici, par exemple, si je te dis
Je te donne l'exemple de les nouvelles aventures et que je te demande dans ce groupe du nom, quel est le complément du nom? Tu vas me dire nouvelles parce que c'est lui qui vient compléter aventure. Si je te dis dans le groupe du nom une fusée, quel est le complément du nom? Ben, c'est une question piège parce qu'il n'y a pas de complément du nom dans une fusée, parce qu'il n'y a pas d'adjectif, il n'y a pas d'autres mots qui viennent expliquer comment elle est la fusée. Donc, ici, il n'y a pas de complément du nom. Donc, il faut retenir qu'il y a plusieurs manières de construire un groupe du nom et ce n'est pas tous les groupes du nom qui ont un complément du nom. Par contre, quand ils ont un complément du nom, ça peut être avec un adjectif. Donc ici, on a des exemples. Donc on a vu déjà c'est quoi le groupe du nom, comment on peut le former avec un adjectif. Donc on va se pratiquer avec des exemples. La première phrase, ils planifient leurs vacances familiales dans l'espace. Dans cette phrase-là, il y a deux noms communs. Donc le premier nom commun, je vous laisse le trouver. Donc c'est vacances. Vacances, c'est un nom commun féminin pluriel. Donc, pour trouver le groupe du nom, on doit trouver les mots qui sont importants à placer avec le nom commun. Donc, les mots qui ont rapport avec le mot « vacances ». Comme j'expliquais tantôt, avec tous les noms communs, souvent, il y a un déterminant qui est placé avant. Donc, ici, « vacances », le déterminant de « vacances », c'est « l'heure ». Donc, « l'heure » va être dans le groupe du nom parce que c'est le déterminant. Et finalement, il y a un autre mot qui vient compléter le mot « vacances », c'est « familial ». Donc, les vacances, elles sont comment? Elles sont familiales. « Familial », c'est l'adjectif. Donc, ça veut dire que leurs vacances familiales, on va les mettre dans le groupe et ça va être un groupe du nom. Mon deuxième nom commun dans cette phrase, c'est espace. Donc, c'est un nom commun masculin. Ici, pour trouver le groupe du nom qui va avec le nom commun espace, il faut trouver les mots qui sont en lien avec ce mot-là. Donc, c'est le déterminant, l'apostrophe. Donc, le groupe du nom ici, si tu regardes, il n'y a pas d'autres adjectifs qui va avec le mot espace, donc c'est seulement le groupe du nom l'espace. C'est le groupe seulement avec un déterminant et un nom commun. Dans la phrase numéro 2, ils utilisent plusieurs bons guides pour choisir leur destination. Donc ici, on a aussi deux noms communs dans cette phrase-là. Le premier nom commun, est-ce que vous l'avez trouvé? Donc c'est guide. C'est un nom commun masculin pluriel. Donc, pour trouver encore une fois les mots qui vont aller dans le groupe du nom avec le mot guide, il faut trouver son déterminant, premièrement. Donc, c'est quoi le mot, le déterminant qui va avec guide? C'est plusieurs. Donc, plusieurs est un déterminant. Et comment ils sont les guides? Ils sont bons. Donc, l'adjectif bon et le déterminant plusieurs vont venir se joindre au nom commun guide pour faire le groupe du nom, plusieurs bons guides. Donc, encore une fois, comme je vous disais tantôt, pour valider si c'est un bon groupe du nom, vous pouvez essayer d'enlever le noyau, donc le mot le plus important, c'est-à-dire guide. Donc, si tu enlèves le nom guide, est-ce que tu peux dire plusieurs bons? Ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il manque un mot pour expliquer plusieurs bons quoi. Donc, le mot « guide » ici, c'est le mot le plus important de mon groupe. Ça veut dire que c'est un groupe nominal. Le deuxième nom commun dans cette phrase, c'est « destination ». Donc, ça veut dire l'endroit où on va se rendre pour aller soit en vacances ou pour quand tu t'en vas quelque part, l'endroit où tu vas aller, c'est la destination. Donc, « destination », c'est un nom commun féminin. Ici, il est singulier. Donc, pour trouver quel groupe nominal formé avec « destination », il faut d'abord trouver son déterminant. C'est l'heure et comme tu peux voir ici, c'est la fin de la phrase, donc il n'y a pas d'adjectif. Donc, le groupe du nom, encore une fois, ça va être leur destination, un déterminant et un nom commun. Troisième phrase, ils préfèrent certaines planètes touristiques comme Mars. Donc ici, on a deux noms dans cette phrase, encore une fois. Le premier, c'est planète. Donc, planète, ici, c'est un nom féminin pluriel. Donc, on regarde où est son déterminant. Donc, son déterminant, c'est certaines planètes. Et ces planètes, comment elles sont? Elles sont touristiques.
Donc, touristique, c'est un adjectif qui vient compléter planète. Ça veut dire que dans le groupe planète, dans le groupe du nom, on va mettre son déterminant et son adjectif. Ça veut dire que certaines planètes touristiques est un groupe du nom. Et finalement, dans la phrase, j'ai dit qu'il y avait deux noms. Donc, on a un nom commun. Et le dernier mot, c'est un nom propre. Donc, c'est Mars. C'est le nom d'une planète. C'est pour ça que le mot commence avec une majuscule, parce que c'est un nom propre. Et comme on avait vu dans l'autre exemple avant, étant donné que c'est un nom propre, le groupe du nom est formé seulement du nom propre. Donc, Mars, c'est le groupe du nom. Il n'y a pas de déterminant. Je ne peux pas dire la Mars parce que Mars, c'est un nom propre. Comme je ne peux pas dire la Laurence, c'est un nom propre, ça vient seul, ça ne vient pas avec un déterminant. Puis on n'a pas d'adjectif. Ensuite, la question 4, la phrase numéro 4, ces planètes offrent plusieurs activités amusantes. Donc, on a deux noms communs, encore une fois, dans cette phrase, donc deux groupes du nom. Le premier, c'est planète, féminin pluriel, encore une fois, comme dans la phrase numéro 3. Donc, on cherche son déterminant, c'est ces. Et est-ce qu'on a un adjectif qui va avec planète? Non. Ça veut dire que c'est le déterminant et que mon groupe du nom, ce sera ces planètes. Offre ici, c'est le verbe. Comme on peut voir, le verbe est au présent, ça termine par ENT. Donc, ces planètes offrent. Le offre, il ne vient pas avec le verbe parce que les verbes ne rentrent pas dans le groupe du nom. Dans un groupe du nom, tu as seulement le déterminant, le nom et le complément du nom. Donc, un verbe, ça ne peut pas être un complément du nom. Le deuxième nom commun dans cette phrase-là, c'est activité. Donc, activité, c'est un nom féminin. Et ici, dans la phrase, il est pluriel parce que son déterminant, c'est plusieurs. Et elles sont comment, les activités? Elles sont amusantes. Donc, amusante est un adjectif qui est complément du nom. Ça veut dire qu'il vient expliquer comment est le nom. Et ce qui veut dire que notre groupe du nom est plusieurs activités amusantes. Donc, ici, on peut voir les différentes manières de former un groupe du nom avec soit seulement le nom propre ou avec un déterminant et un nom commun seulement, ou encore avec un déterminant, un nom commun, un adjectif, ou un déterminant, un adjectif et un nom commun dans des ordres différents. Donc, on a vu dans les diapositives avant que le groupe du nom pouvait être créé seulement avec un nom propre. Il pouvait aussi inclure un déterminant et un nom, ou un déterminant, un nom et un adjectif. Donc, il y a aussi une autre manière de créer un groupe du nom. Donc, ici, on en voit deux autres possibilités. C'est avec un déterminant, un nom et la préposition à et un autre groupe nominal. Par exemple, ici, on dit j'allume les moteurs à réaction. Donc, si tu regardes ici, le nom, c'est moteur. Il est avec son déterminant les et c'est quel genre de moteur? Les moteurs sont communs, ils sont à réaction. Donc, à réaction, c'est un complément du nom qui vient expliquer comment il est le nom. Donc, à réaction, c'est ces deux mots qui sont importants, qui sont liés au nom, et c'est pour ça qu'ils font partie du groupe du nom. Je ne pourrais pas enlever les moteurs et garder seulement à réaction. Je ne pourrais pas dire j'allume à réaction. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est un bon truc pour savoir si à réaction, tu dois l'intégrer dans ton groupe du nom. Bien, le truc, c'est que tu essaies de voir si tu enlèves les moteurs complètement dans ta phrase, est-ce que à réaction va avoir du sens? Si ta phrase garde son sens, donc si je dis j'allume à réaction et que ça fonctionne, que c'est possible de faire une phrase comme ça voudrait dire que à réaction, je pourrais pas le mettre dans mon groupe du nom. Mais ici, quand on l'enlève, ça fonctionne. Quand on enlève les moteurs, ça fonctionne pas. Ça veut dire que à réaction, il est obligé d'être avec les moteurs. Donc ça, c'est un autre groupe. Un autre exemple, un autre truc pour voir quel mot on doit mettre dans son groupe du nom. On a aussi ici un autre exemple avec le de. Donc c'est la même chose. Ici, c'était avec la préposition à.
Ici, c'est avec la préposition de. Donc, on dit « Je suis un voyageur de l'espace ». Donc, « voyageur », c'est le nom. Il y a son déterminant, « un voyageur ». Et c'est un voyageur comment? De quel genre de voyageur? Un voyageur de l'espace. Donc, on a « de », la préposition, plus un autre groupe du nom parce qu'on a un déterminant et un nom. Donc, l'autre chose aussi, c'est que dans le groupe du nom ici, tu as deux noms communs. Donc, comment on fait pour savoir lequel des mots est le noyau, donc lequel des noms est le plus important? Bien, c'est que tu peux essayer de l'enlever. Donc, est-ce que je peux dire « je suis de l'espace » ? Non. Est-ce que je peux dire « je suis l'espace » ? Non. Donc, est-ce que je peux dire « je suis un voyageur » ? Oui. Donc, ça veut dire que de l'espace, je peux l'enlever et voyageur, je ne peux pas l'enlever. Donc, voyageur, c'est le noyau de mon groupe parce que c'est le mot le plus important. C'est lui qui donne le sens au groupe du nom. Donc, ça aussi, c'est important à retenir. Ici, on dit les mots « a » et « de » suivis d'un groupe du nom complément, suivi d'un groupe du nom complément de nom. Donc, ils sont quand il y a A et de avec un groupe du nom qui suit le nom, ça veut dire qu'ils sont complément du nom. Donc ici, on a un autre exemple pour travailler le groupe du nom. Ce sont tous des groupes du nom avec des compléments. Donc soit que le complément est un adjectif, soit que c'est « a » avec le groupe du nom, ou soit que c'est « de » avec le groupe du nom. Donc, on a déjà souligné en bleu les groupes du nom. Donc, il faut identifier dans les groupes du nom qui sont en bleu le noyau, donc le nom, avec son complément. Donc, dans la première phrase, « il visite souvent ses petits-enfants ». Donc, « ses petits-enfants », c'est le groupe du nom. Le nom dans cette phrase, dans ce groupe du nom, c'est « enfant ». Il y a le déterminant et le complément de « enfant », c'est « petit ». Ces enfants sont communs, ils sont petits, donc c'est un adjectif. Ensuite, l'astronaute leur raconte ses aventures de voyage. Alors, ses aventures de voyage, c'est notre groupe du nom. Le nom le plus important dans ce groupe-là, est-ce que c'est « aventure » ou « voyage » ? Est-ce que je peux dire « l'astronaute leur raconte de voyage » ou c'est mieux que je dise « l'astronaute leur raconte ses aventures » ? Donc, la réponse, c'est « aventure » qui est le mot le plus important, c'est le noyau. Et son complément du nom, c'est « de voyage » qui est c'est la préposition « de » avec le groupe nominal. Dans la phrase numéro 3, il leur montre sa boîte à souvenirs et son album de photos. Donc, on a deux groupes du nom. Dans le premier ici, sa boîte à souvenirs, c'est lequel des deux mots, boîte ou souvenir, est le noyau, le mot le plus important du groupe du nom. Donc, encore une fois, pour essayer de savoir, on peut essayer de l'enlever. Est-ce que je peux dire « il leur montre sa boîte » ou c'est mieux de dire « il leur montre à souvenir ». Donc, ce qui est mieux, c'est « sa boîte ». Ça veut dire que « boîte » va être le noyau. Et le complément de « boîte », c'est une boîte qui est commun, c'est une boîte à souvenir. Donc, c'est la préposition « a » avec le groupe du nom. Dans le deuxième groupe du nom, son album de photos, le mot le plus important, c'est « album » et le complément de album, c'est quel genre d'album? C'est un album de photos. Donc, c'est la préposition de avec le groupe nominal. Noah retient leur attention grâce à son talent de conteur. Donc, son talent de conteur, c'est un groupe nominal. Le noyau du groupe, le mot le plus important, le nom le plus important du groupe, c'est talent. Donc, son, c'est le déterminant de talent. Son talent de quoi, son talent, comment il est son talent. Donc, de conteur, ça vient expliquer comment il est talent. C'est mon complément du nom et c'est de avec le GN. Léo et ses sœurs aiment écouter ces histoires incroyables. Donc, encore une fois ici, on a un groupe du nom, ces histoires incroyables.
Le nom, dans ce groupe du nom, le mot le plus important, c'est histoire. Et ces histoires, elles sont communes, elles sont incroyables. Donc, incroyable ici, est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est un complément qui est a avec le GN ou c'est un complément qui est de avec le GN? Donc, la réponse, c'est que incroyable, c'est un adjectif. Ça veut dire que le complément du nom ici est un adjectif. Ils voudraient devenir des explorateurs de l'espace, comme leur grand-père adoré. Donc, dans le premier groupe du nom, le mot le plus important, c'est explorateur, parce que je ne peux pas l'enlever du groupe. Je ne peux pas dire ils voudraient devenir de l'espace. Ça veut rien dire, c'est important. De l'espace, il est obligé, pour que la phrase ait du sens, d'être avec explorateur. Ça veut dire que explorateur, c'est le noyau de mon groupe, c'est le nom le plus important. Et son complément, ça va être de l'espace, qui est une préposition de avec le groupe nominal, comme leur grand-père adoré. Donc, encore une fois, ici, on a le nom qui est grand-père. Leur, c'est le déterminant. Et il est suivi d'un complément du nom qui est un adjectif. Le grand-père, il est comment? Il est adoré. Finalement, dans la dernière phrase, ils rêvent à des planètes inconnues et à des mondes imaginaires. Donc, dans le premier groupe du nom, ici, on a des planètes inconnues. Donc, le noyau du groupe, le nom dans le groupe du nom ici, c'est quoi? Ces planètes, des planètes. Et les planètes, elles sont comment? Elles sont inconnues. Inconnues ici, est-ce que c'est lequel des trois compléments du nom ici? Donc, c'est un adjectif. Et finalement, des mondes imaginaires, c'est la même chose que pour planète inconnue. On a le noyau qui est monde, c'est le nom de mon groupe du nom, avec son déterminant des et le complément du nom, c'est un adjectif imaginaire. Donc, des mondes, les mondes sont communs, ils sont imaginaires. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé pour comprendre un peu plus le groupe du nom. Votre enseignant devrait vous envoyer bientôt des exercices pour vous aider à vérifier si vous avez bien compris. Donc, bon travail. N'hésitez pas à réécouter la vidéo si vous avez des questions.